Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus dans l'enfer de Sirenhead. Cette fois-ci, je vous présente un jeu qui s'appelle L'Enfant Perdu. Où est-ce que je suis? Il semblerait que j'ai été assommé. Attends une minute. C'est moi l'enfant perdu? Ah, mais c'était pas prévu comme ça en fait. À la base, je pensais que j'allais chercher un enfant perdu. Je ne pensais pas que j'allais devenir cet enfant perdu. Bon, nous avons un grand problème, les amis. Le jeu ne me donne aucune indication. Et je me vois maintenant obligé d'avancer à pas chevronner dans cette forêt abandonnée sans la moindre façon de m'en sortir dans cette obscurité. Yes, j'ai réussi à faire une allitération en « et j'en suis fier, les amis. J'en suis fier parce que j'ai jamais été très fort en français, vous voyez. J'ai toujours tendance à mélanger un peu mes mots, ma langue. Vous avez pu le remarquer de toute façon si vous suivez cette histoire depuis longtemps. Alors, cette partie de la forêt me fait peur. Il n'y a aucun signal ici. Si t'as un téléphone, est-ce qu'il y a moyen que tu mettes la lampe, peut-être? Parce que je veux pas dire, mais mes petits amis téléphone mobile, ils voient pas très bien en vrai quand je genre des vidéos comme ça. Trop sombre. Beaucoup trop sombre. C'est au moins le quatrième jeu d'affilée qui est aussi sombre. C'est abusé. Il y a une balançoire perdue en plein milieu d'une forêt. J'ai dit une. Il y en a trois. Trois balançoires. C'est quoi le délire? Alors moi je sais exactement c'est quoi le délire. Hein. Je ne fais que répéter ce que les sous-titres racontent, vous savez. Donc nous avons une sorte de parc, une parc de jeux abandonné. Nous avons, je suppose, que nous sommes peut-être dans un parc qui a été abandonné. Et du coup, la forêt a repris un petit peu ses droits, vous voyez. Peut-être que c'est... Je sais pas si ça arrive. Peut-être en plein confinement, les mecs, ils s'en occupent plus. Ils passent plus le balai, ils tombent plus le gazon, et etc. Tu vois. Ça peut arriver. Je peux courir. Combien de temps je peux courir? Je peux courir longtemps. Ouais, je peux courir longtemps. Il se fatigue jamais. Génial, je kiffe. Alors moi, je suis en train de marcher, mais en fait, si je peux courir, en fait, je vais courir. Eh, hey, je vais même pas chercher. Hein. Il y a du feu là-bas, il y a de la lumière. Ça fait plaisir. Alors, je rappelle pour tous ceux qui aiment les jeux Sirenhead, je rappelle que ce sont des jeux indépendants créés par, bah, par des gens comme vous et moi. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Je devrais probablement prendre leur pistolet. Cette logique me dépasse, mais ok, d'accord. Il semblerait que le courant soit éteint. Ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas de... pourquoi il n'y a pas de lumière. Il devrait y avoir un générateur d'urgence dans le camp. Il y en a toujours un. Si j'arrive à l'allumer, le signal du téléphone reviendra. Bois, d'où? Oh. Oh. Oh, Sirenhead, il a qu'à bien se tenir, hein. Parce que là, moi j'ai sorti le gros calibre. Et en fait, on n'avait pas dit que j'allais partir à la chasse du Sirenhead, tu vois. J'allais partir à la chasse du Sirenhead. Putain, j'étais même pas au courant. Oh, y a pas une petite lampe torche ou une connerie du genre? Oh, j'aimerais trop... Peut-être la lanterne, je peux la prendre? Oh, bro, même si c'est un peu gros. Bon, ok, d'accord. Ok, d'accord. Tu ne veux pas, je peux comprendre, c'est trop gros. Tu peux m'apporter un pistolet et une lanterne géante. Ah, je peux comprendre. C'est normal. Donc, je tenais à rappeler que Sirenhead n'est pas une série de jeux. C'est pas une série de jeux de gros développeurs AAA, quoi que ce soit. C'est juste des petits développeurs indépendants. Genre, en général, c'est une personne qui a une licence d'un logiciel de 3D qui s'amuse en fait à reproduire la creepypasta, puisque c'est une légende urbaine de Sirenhead. Ils reproduisent la creepypasta du jeu. C'est pour ça en fait que je tiens vraiment à vous dire que les jeux Sirenhead sont rares. C'est pour ça en fait qu'à chaque fois je vois des commentaires du style ouais, fais du Sirenhead, je dis bah je ne peux pas, puisque ça dépend vraiment des jeux qui existent ou pas, en gros. Donc on est dépendant de ça, si vous voulez. On est dépendant en fait de cette situation. C'est comme Slender à l'époque, avant que Slender The Arrival arrive sur Steam. Il n'y avait aucun jeu Slender, c'était que des développeurs indépendants qui faisaient les jeux. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Votre réaction sur la dernière vidéo était genre géniale. J'essayerai de refaire ce jeu, mais je vous avouerai que je suis parti lire un petit peu sur les forums. Et apparemment, c'est impossible de passer le premier niveau. Ou alors, faut vraiment tryhard comme un malade. Et le deuxième niveau est exactement pareil. Donc,
Éventuellement, je vais peut-être essayer de passer le premier, mais si c'est pour avoir trois fois le même niveau et c'est tout, bah c'est un peu... L'intérêt est un peu limité, j'ai envie de dire. Mais j'ai promis de faire une suite, donc je ferai un deuxième épisode. C'est une sorte de radio, ça? Le générateur, ça? Ah! Oh, on dirait que la radio est allumée, je devrais l'écouter. Allô, petite radio? Commence à s'inquiéter. Allô? Allô? Je suis quelqu'un de perdu avec un shotgun. Ok, bon, personne. On va marcher à travers la forêt alors. Attention, Sharon Head, hein. Attention, j'ai un shotgun. Où est-ce qu'il est? Shotgun. Ah, Sharon Head, j'ai un shotgun et je sais. Je pourrais m'en servir, ok? Ok, ok. Ok, ça plaisante plus, les amis, ça plaisante plus. Sharon Head revient là. Ah, dégage, Sharon Head. God damn it. God damn it. Vite, 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 vite. Cours, 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 cours. Sharon. Il revient à la chasse, il revient à la chasse. Oh non, mais Ok, 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 ok. Pour l'instant, on réussit à bien repousser Sirenette comme il se doit. Il ne m'attaquera pas plus que ça. Oh ok, bon. Ah stop! Où est-ce que je dois courir? J'aurais peut-être bientôt plus de balles en vrai, je sais pas combien de balles il a mis là-dedans. OMG! OMG, maintenant il fait carrément des méthodes de contournement! Cours! Non! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu! Il revient, revient. Ah, c'est bon, je gère la situation. Ah, on en discute ou pas? On a bien couru, toi et moi. On a fait une bonne distance. On peut s'arrêter là, non? Je te préviens, j'ai presque plus de balles. Je vais pas commencer à te tirer dessus. Hein. Oh boy. Ah, ça me traverse là. Le générateur a dû s'arrêter pour quelques raisons. Je devrais y retourner pour l'allumer. Une de ces voitures doit marcher. Je devrais essayer d'ouvrir cette porte. Il se fout de ma gueule. Combien de balles j'ai pour ce truc? Genre j'ai besoin d'ouvrir la porte. Je peux pas simplement sauter la barrière. Je veux dire... Est-ce que ce jeu se fout de ma gueule? Je ne peux pas sauter cette barrière pour récupérer cette voiture. Genre, la barrière, elle fait... Elle est... La barrière s'arrête littéralement là. Là, ici, là. Là. Genre, on est sûr et certain qu'avec un petit peu de volonté, je peux... Ok. Ok, j'ai compris. Non, mais il a sûrement raison, hein. Peut-être que j'ai pas réfléchi, ça se trouve j'ai des problèmes de dos, des trucs comme ça, donc forcément je ne peux pas dire que c'est possible ou pas, tu vois. Ok, on va retourner, on va retourner. J'ai que ça à faire de toute façon. On va retourner cette longue ligne droite sur laquelle je me suis fait attaquer. Heureusement que le sprint, quand je l'entends, il s'essouffler, mais heureusement que le sprint est infini. Oh, le sprint n'est pas infini. Le sprint n'est pas infini. J'ai dit n'importe quoi. Parce que Sirenette court très 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 vite. Alors, probablement, il n'y a pas de compteur de munitions. Mais il y a des chances. J'en ai raté que une ou deux, je crois, de balles. Clairement, si je dois refaire exactement la même chose pour revenir. Si je dois faire exactement le... Je dois me retaper le même sprint pour repasser en arrière. Je n'aurai pas assez de balles pour repousser Siren Head et il va me défoncer.
va juste essayer de retourner dans le truc de générateur. C'est super loin, hein, par contre. Hein. C'est ultra loin. C'est dingue. J'aimerais tellement avoir une petite lampe torche, en vrai. C'est pas que je vois rien, mais... Bro. Je vois rien, tu vois. On dirait que la radio est allumée, je devrais l'écouter. Ouais. Je peux pas vraiment l'écouter. Hein. J'appuie dessus, ça marche pas. Donc j'ai rallumé le générateur. Hein. Et maintenant, je vais me retaper le meilleur sprint de ma vie. C'est le plus beau sprint de ma vie, ok? Surtout, comme à l'école, comme à l'entraînement, si Siren Head s'approche, on lui tire dans le blanc de ses yeux. Quoi, c'est pas comme ça que ça dit? C'est pas comme ça qu'on fait? Non, non, clairement, si Siren Head se montre, on lui tire deux balles dans la tête. Mais il a pas de tête, il a des sirènes à la place de la tête. Ah oui, c'est vrai, t'as pas tort. C'est vrai qu'il a des sirènes à la place de la tête, donc ça peut être compliqué de trouver la tête dans ces cas-là. Mais vous inquiétez pas, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous. Donc on peut y arriver, les amis. On peut y arriver. Restons sur le qui-vive. De toute façon, la bonne chose avec cet ennemi, la bonne chose avec cette bestiole, avec ce Siren Head, c'est que il fait beaucoup de bruit. Donc techniquement, il peut pas nous surprendre. Je veux dire, on en a vu des vertes et des pas mûres. Clairement, là, ça va bien se passer. Bon, il a disparu. Il est pas réapparu. C'est très très bien. Si le générateur est encore éteint, je pète une câble. Oh. Je sais pas pourquoi il regarde le bouton comme ça. Comme si c'est... Non! J'avais encore des balles dans mon fusil! J'aurais pu le défoncer! Tu peux pas t'arrêter comme ça, pas comme ça, ok? Oh mon dieu! Ah, en tout cas, j'ai bien aimé! J'ai bien apprécié ce petit Siren Head sympathique! Je sais pas ce que vous en pensez! Toujours un peu sombre en fait ce genre de jeu! J'aimerais vraiment, si vous êtes d'accord avec moi, Mettez un commentaire en rapport avec la lumière dans les commentaires. Mettez votre plus belle phrase pour dire la lumière, vous savez. Pour dire j'aurais adoré ne plus être dans l'obscurité, tu vois, un truc comme ça, tu vois, j'ai un truc poétique. Un truc poétique, je sais que vous êtes capable. En tout cas, laissez votre plus beau et magnifique pouce bleu sur cette vidéo si vous avez apprécié découvrir ce nouveau Siren Head dans ma compagnie. Et quant à vous les amis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.